ton nom, nous sommes délivrés, au son de ton nom, nous sommes restaurés, au son de ton nom, nous sommes consolés, pour nous être écoutés. Au son de ton nom, les miracles s'accomplissent, au son de ton nom, Alléluia, oh. Je vous bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Je vous bénis dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa présence. Il est toujours là. Alléluia. Amen. Bénissons aussi l'ancien Yannick qui nous revient de la Chine. Amen. Nous souhaitons la bienvenue. Amen. On y voyait. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui était au rallye hier? Amen. Vous savez? Qui était au rallye hier? Je vois les mains levées. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui étaient. Amen. Alléluia. Amen. Ensemble, vous êtes obéissants, ceux qui étaient obéissants. Maintenant, ceux qui n'étaient pas bons, quelle que soit la raison, peut-être
peut-être un cas d'extrême majeur. Vous êtes excusés. Mais si c'était pour dormir, vous n'êtes pas excusés. Amen. Amen. Alors, continuons. Nous allons continuer encore ce matin. Donc, en fait, c'est une suite logique de la pensée que le Seigneur nous a enseignée sur l'excellence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui se rappelle du message sur l'excellence? Travailler dans l'excellence. Bon, les autres ne se rappellent pas. Qui se rappelle de ce message? Amen. Garçon, tu n'étais pas. Tu te rappelles de ce message. Et pour ceux qui ne se rappellent pas de ce message, s'il vous plaît, allez souvent écouter, réécouter les messages, les enseignements dans notre chaîne. Nous avons une chaîne YouTube. Allez l'écouter, allez réécouter les enseignements, réécouter les messages. Parce que nous sommes engagés dans un processus. Et Dieu ne révèle pas sa pensée pour venir parler, pour venir seulement parler là, sur l'estrade. Le pasteur Justin passera, il vient parler. Le pasteur Juliette passera, elle vient aussi parler. Non, bien-aimé. Alléluia. Amen. Ça prend du temps pour chercher la pensée de Dieu. Si nous voulons avancer avec le Seigneur, si nous voulons grandir avec le Seigneur, nous devons réécouter. Si nous n'étions pas là, nous allons dans notre chaîne pour réécouter ce que le Seigneur nous a enseigné ce jour-là et pour le mettre en pratique. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Parce que ça fera que certaines personnes ont la pensée, ils avancent et d'autres n'ont pas la pensée. Et il n'avance pas. On tourne en rond. On ne veut pas tourner en rond avec le Seigneur. Alléluia. Oh. Amen. On ne veut pas tourner en rond avec le Seigneur. On doit avancer. Amen. On doit avancer avec le Seigneur. Et chaque parole est importante. Amen. 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 Chaque pensée, chaque enseignement est important pour ta croissance, pour ta maturité spirituelle. Amen. 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 Moi, je ne néglige pas une parole, que je sois là. Je ne sois pas là. Quand je ne suis pas là, je suis cela à la maison où je revois cela. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, le Seigneur nous parle de la discipline. La discipline spirituelle. Il y a la discipline dans le monde, mais nous voulons voir la discipline spirituelle ce matin. Alléluia. Oh. Amen. Bien-aimé, la discipline est une qualité très importante, en introduction, à intégrer dans notre vie spirituelle. C'est une qualité très importante à intégrer dans notre marche avec le Seigneur et même dans notre vie personnelle. Alléluia. La discipline. Bien-aimé, la discipline, c'est la formation de certains comportements que nous avons. Parce que tu as un comportement qui n'agrée pas le Seigneur va te soumettre à une certaine discipline. Mais il faut que tu sois soumis, il faut que tu sois obéissant. Alléluia, oh. Amen. Ne soyons pas distraits par ce qui arrive. Bien-aimé, c'est la formation de certaines habitudes qui ne sont pas agréables au Seigneur. Alléluia. Certainement, tes pieds, c'est un exemple qui m'est venu à l'esprit pendant que je préparais ce message. Certainement, tu es quelqu'un qui aime marcher. Mais lorsque le Seigneur viendra te discipliner, lorsque le Seigneur viendra discipliner tes pieds, il t'apprendra à ne plus aller partout, 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 partout. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. Il y a certains qui se reconnaissent. À
Alléluia. À un moment donné de ma vie, le Seigneur avait discipliné cet élément. Tu vas là-bas. Et le Seigneur lui-même, à sa manière, a discipliné cela dans ma vie. Amen. Jusqu'au point où j'ai appris à sélectionner où je devais aller. Amen. La discipline, bien-aimé. La discipline est une qualité importante. Les gens du monde sont disciplinés dans certains domaines. Par rapport à l'éducation aussi qu'ils ont reçue. Mais lorsque nous venons dans le Seigneur, nous devons apprendre cela. Si tu n'as pas peut-être été dans un milieu où on t'a appris la discipline, le Seigneur, l'Esprit de Dieu, enseigne la discipline. Amen. 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 La discipline, ce n'est pas une mauvaise chose, bien-aimé. Nous avons vu que c'est la formation. Dieu nous forme. Et souvent, les gens disciplinés, on les traite de durs, on les traite de mauvais, on les traite de méchants. Amen. Pour rien. Pour rien. Alléluia. Amen. Quand tu arrives dans une maison disciplinée, voilà ce que j'ai vécu dans ma vie. Vraiment. Ça m'a coûté. Heureusement que bon. Franchement, je ne t'ai même pas là-dedans. Alléluia. Oh. Amen. Tu disciplines les enfants. Tac, 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 tac. Ah, toi aussi, tu es trop duré. Mais c'est ça que tu m'as donné. Alléluia. Amen. Amen. Oh. Amen. Même si Dieu ne t'a pas donné ça. Mais à un moment de donner le temps, tu dois l'apprendre. Tu dois apprendre à être discipliné. Alléluia. Amen. Sinon, ta maison sera un four tout. On fera tout. Alléluia. Amen. Et plus tard, tu vas maintenant regretter. Oh, amen. 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 On est là. Amen. Wow. Bien-aimé, l'homme naturel, celui qui n'a pas Dieu, n'aime pas la discipline en général. Il peut aimer la discipline jusqu'à un certain niveau, mais il n'aime pas la discipline. Et lorsque nous arrivons à l'église, l'homme charnel n'aime pas aussi la discipline. Amen. L'homme charnel, c'est celui-là qui veut encore diriger sa vie, qui ne laisse pas Jésus diriger sa vie. Pour cet homme charnel, la discipline sera quelque chose de dur. La discipline sera quelque chose de difficile. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. On dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Je continue. Bien-aimés, sans la discipline, nous n'arriverons à rien faire dans la vie avec le Seigneur. Nous ne ferons rien, bien-aimés. Nous allons commencer, mais nous n'allons pas terminer. Nous allons nous engager, mais nous n'allons pas respecter nos engagements. Alors, pendant que je suis en train de donner cette parole ce matin, avec le Saint-Esprit, tu vas voir les différents points où tu n'as pas de discipline, où tu es indiscipliné. Alléluia. Amen. Parce que la discipline touche beaucoup de domaines dans notre vie spirituelle. Alléluia. Bien-aimé, toute la vie du Seigneur Jésus était disciplinée. Jésus lui-même nous a montré l'exemple d'une vie disciplinée. Alléluia. Amen. Marc 1, nous allons dans Marc 1. Marc 1, le verset 35. Lis la parole de Dieu dans Marc 1, au verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Amen. Amen. Amen à cette parole. Amen. On nous dit quoi? Je répète, je reprends. Vers le matin,
pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller prier dans un lieu désert, où il pria. Alléluia. Alors donc, nous voyons que Jésus avait un temps pour prier. La discipline dans la prière. Alléluia. Vers le matin, lorsqu'il faisait encore sombre, Jésus ne dormait pas, il ne continuait pas à dormir. Et nous voyons même que plus haut, on nous dit quoi là? On nous dit quoi? Je vais lire même vers le, à partir du verset 32. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades. Alléluia. Et les démoniaques. Et toute la ville était assemblée devant sa porte. Le verset 34. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Amen. Amen. Le verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, alléluia, oh, Amen. Jésus, bien-aimé, n'a pas dit, ah, j'ai beaucoup travaillé, alléluia. Ah, vraiment, Jésus n'a pas donné de raison. Il se lève, yes, pour aller prier, pour aller communier avec son Père. Alléluia! Parce que cela était très utile pour lui. Alléluia! Jésus était discipliné. C'est quelqu'un de discipliné, bien-aimé, qui respecte son temps de prière. De prière. De prière. Est-ce que c'est la même chose pour toi également? Est-ce que tes temps de prière sont respectés? Bien-aimés, nous avons vu la discipline également dans notre vie personnelle. Parce qu'il y a la discipline dans notre vie personnelle et il y a la discipline dans notre vie communautaire. Alléluia, oh! Donc, Jésus avait un temps pour prier. Jésus avait un temps également pour être dans le temple. Alléluia. Amen. Pour enseigner le peuple. Marc 12, le verset 35. La Bible déclare, Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Jésus continua à enseigner dans le temple. Dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Alléluia, oh! Amen. Jésus enseignait également dans le temple. Et on nous dit, continuant. Donc, il le faisait aussi de manière régulière. Mais c'est le passage que j'ai pu prendre. Alléluia. Jésus avait aussi des temps pour enseigner. Alléluia. Alléluia. Oh. Amen. Jésus avait un temps pour enseigner. Il avait un temps pour prier. Sa vie était disciplinée. Dans le temple, on nous dit dans le temple. Et il enseignait à qui? Il enseignait le peuple. Ça veut dire que le peuple aussi était là. Alléluia. C'était aussi un peuple discipliné, parce qu'il n'enseignait pas les murs, alléluia, il n'enseignait pas une personne ou deux personnes, il enseignait le peuple. Le peuple aimait venir dans la maison du Seigneur, dans le temple, pour être enseigné. C'était aussi un peuple d'ici, alléluia. Amen. Bien aimé, la discipline spirituelle est quelque chose de très important. À
améliorer dans nos vies. Nous devons améliorer, bien aimé, la discipline dans nos vies. Si nous voulons aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être de ceux qui font les choses par rêverie. On se lève. Oh, yo, on fait. Non, alléluia. Alléluia. Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimé, Jésus avait une vie de discipline. Nous continuons. Jésus avait un temps où il allait de lieu en lieu. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, la nouvelle de la repentance. Alléluia. Luc 8, le verset 1. Lis-nous ça. Luc 8, verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est compliqué? C'est compliqué. La vie de Jésus était, il avait un programme. Il avait un programme. Et il respectait ce programme. Alléluia. Il respectait ce programme. Là, Jésus n'est pas dans le temple. Il comprenait la nécessité de ne pas seulement être dans le temple, mais aussi de se déplacer, d'aller hors du temple. Alléluia. Pour aller trouver les brebis égarées d'Israël. La vie de Jésus était une vie disciplinée. Pour avoir une vie disciplinée, bien aimée, nous devons respecter le programme que le Seigneur nous donne, que le Seigneur nous a donné. Alléluia! Le programme que le Seigneur t'a donné dans ta vie personnelle. Tu dois le respecter. Le programme que le Seigneur nous a donné dans notre vie, en tant qu'Église, notre vie communautaire, nous devons le respecter. Alléluia! Jésus allait de lieu en lieu. Ça faisait partie de son programme. Il allait de lieu en lieu. Voilà pourquoi nous insistons que nous devons également, alléluia, avec la naissance des anciens, nous devons aller. C'est une manière pour nous, alléluia, de ne pas seulement nous limiter avec ceux qui sont de l'assemblée. Amen. 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 Mais par ce moyen, nous atteignons tous les membres, tous les, nos voisins, les quartiers. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimés, si nous sommes concentrés vraiment dans cette vision des enseignes, les cellules de maison, bien-aimés, le royaume de Dieu va s'étendre. Le royaume de Dieu va s'étendre. La bonne nouvelle sera annoncée avec d'autres ça marcher. Alléluia! Amen. Avec d'autres, ça marchait. Mais ils étaient concentrés dans ce travail-là. Ils ont persévéré dans ce travail-là. La discipline exige la persévérance. Si au début, nous ne voyons pas les fruits, nous ne devons pas nous fatiguer, nous ne devons pas nous lasser, parce que nous ne voyons pas les fruits. Alléluia! Nous devons persévérer. Amen! Amen. Nous devons persévérer. Jésus allait de lieu en lieu. Jésus n'était pas seulement là, sédentaire, dans le temple, dans sa maison. Alléluia. Non, il allait de lieu en lieu. Alléluia. Jésus avait aussi un temps où il priait pour les malades. Alléluia. Dans le temple. Matthieu, ouvre-moi Matthieu. Matthieu 21.
Verset 14. Si j'ai bien plus. Matthieu 21, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Amen. Alléluia! Dans le temple, Jésus opérait des guérisons. C'était pour confondre les scribes et les pharisiens, parce que Jésus ne faisait rien au hasard. Alléluia! C'était pour casser la religion qu'il y avait à cette époque-là. Jésus ne faisait rien au hasard. C'était dans son programme. Alléluia! Est-ce que tu reçois quelque chose ce matin? Amen. Est-ce que le Seigneur te parle ce matin? Amen. Alléluia. Pendant le jour, il enseignait et les nuits, il demeurait à la montagne. Luc 21, verset 37. Ouvre-nous ça. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Amen. Il dit quoi? Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple. Et il allait passer la nuit, hein? Oui. À la montagne, appelée montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Le verset 38. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, quelle vie de discipline. J'aspire à cela. Et le Seigneur veut que nous tous nous aspirions à cela. Jésus n'avait pas le temps d'aller faire des loisirs, aller se distraire. Alléluia! Quand nous menons une vie de discipline avec le Seigneur, bien-aimé, il y a certaines choses que nous n'avons pas le temps de faire. On est ensemble. Amen. Ou bien tu veux laisser dans tes choses là que tu aimes. Il y a certaines choses que nous n'avons pas le droit de faire. Alléluia. Lorsque nous lisons, est-ce que Jésus avait le temps d'aller se distraire partout. Il n'avait pas le temps. Alléluia. Amen. Il n'avait pas le temps. Il devait être concentré dans sa mission. Et pour être concentré dans sa mission, il fallait cette discipline de vie. Il fallait cette discipline de vie. Bien-aimés, si nous n'avons pas une discipline de vie avec le Seigneur, nous ne serons pas concentrés dans notre mission. Nous ne serons pas concentrés dans nos tâches. Nous ne serons pas concentrés dans nos responsabilités. Pendant le jour, il enseignait. Et les nuits, il demeurait. Il demeurait. Ça veut dire quoi? Il prenait du temps. Alléluia. Ce n'était pas toutes les nuits, puisque de l'autre côté, on a vu dès le matin très tôt. Alléluia. Mais il y a des nuits où il prenait également du temps. Il prenait du temps. Jusqu'au matin, quand le matin sonnait là, Jésus. Et ensuite, il avait certainement son visage et il allait enseigner au temple. Alléluia. Amen. Marc, nous allons dans Marc. Marc 1. Hein? Discipline bien-aimée. Si nous voulons opérer dans l'excellence, Marc 1, le verset 32 à 39. La parole de Dieu déclare, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen. Amen. Alléluia. Oh. Amen. Gloire. Le verset 37. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Donc on cherchait Jésus là, pour continuer à faire les miracles. Alléluia. Amen. Les besoins personnels. Alléluia. Amen. Le verset 38 nous dit quoi? Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Alléluia. Amen. Et il alla prêcher dans les synagogues et dans toute la Galilée, où il chassa les démons. Alléluia. Oh. Bien-aimé, Jésus refusa de demeurer dans ce lieu où il avait accompli des miracles. Alléluia. Il refusa de demeurer dans ce lieu où les hommes voulaient le maintenir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus avait une vie disciplinée. Parce que Jésus avait son temps bien programmé. Alléluia. Il ne jugeait plus bon de rester en cet endroit-là. Les hommes, quand bien même les hommes voulaient le forcer à rester là. Alléluia. Mais Jésus n'était pas conduit par la volonté des hommes. Alléluia. Oh. Bien-aimé, lorsque ta vie est disciplinée, lorsque tu apprends à discipliner ta vie, tu n'es pas conduit par la volonté des hommes. Amen. Tu n'acceptes plus d'être conduit par la volonté des hommes, mais tu te laisses conduire par la volonté de ton Père céleste, par la volonté du Saint-Esprit. Amen. Une vie disciplinée. Même si tu es mal jugé, accepte d'être mal jugé. Tu seras mal jugé pendant un temps. Alléluia. Amen. Et les spirituels comprendront. Les charnels resteront à ne rien comprendre. Mais toi, tu avanceras avec le Seigneur. Amen. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. Bien-aimé, c'est important. Lorsque nous avons une vie disciplinée, nous ne devons plus être là conduit par les hommes. Jésus n'était pas conduit par les hommes. Jésus n'était pas conduit par ses disciples. Jésus n'était pas conduit par ses collaborateurs. Alléluia. Amen. Il était conduit par la volonté du Père. Une vie discipliné. Oui, bien-aimé, il refusa d'y rester et il alla ailleurs. Alléluia. La discipline, bien-aimé, c'est aussi de refuser de rester dans un lieu, dans un programme où Dieu ne te veut pas. Amen. Alléluia. Amen. Même les programmes. Les programmes de dehors là-bas, je ne parle pas de nos programmes ici. Alléluia, oh. N'importe quel programme. Bien aimé, viens, oh. Tu sais ce que tu vas aller prendre dans ce programme-là. Alléluia. Amen. Une fille disciplinée ne va pas dans n'importe quel programme pour aller faire le show. Non, bien aimé. Alléluia, oh. Amen. Jean 4, verset 31 à 34. Jean. J'ai bien voulu rester, bien aimé, sur notre modèle par excellence, Alléluia. Le Seigneur Jésus. Jean 4, oui, le verset 31-34. La Bible dit, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mm. Et il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres,
quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. 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 Jésus refusait même de manger. Alléluia. Lorsqu'il fallait accomplir la volonté de Dieu. Jésus, là, en ce moment-là, il était fatigué. Hein? C'est sûr qu'il avait faim. Alléluia. Amen. C'est sûr qu'il avait faim. Puisqu'ils avaient marché, marché, marché. Et on vous dit que les disciples étaient allés en ville, n'est-ce pas? Pour aller chercher la nourriture. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils amènent la nourriture, ils donnent la nourriture à leur maître Jésus. Mais Jésus refuse de manger. Alléluia. Amen. Et il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. Sa nourriture était de faire la volonté. Sa nourriture, c'était le fardeau de Dieu. Sa nourriture, c'était de sauver les âmes. Alléluia. Voilà pourquoi, à un moment donné, il pouvait également se priver de manger. Toi, tu te prives de manger, mais quand on te demande de ne pas manger, oh, quand l'église va te dire, aujourd'hui, on va jeûner. Est-ce que tu as également tes temps de jeûne, tes temps de privation de nourriture personnelle? Alléluia. Amen. Pour aimer manger aussi, là, c'est un péché. Bon, on ne dit pas même. Beaucoup se reconnaissent. Pour aimer manger, là, c'est un péché. Et Dieu m'avait délivré de ce péché. Amen. Amen. Oui, oh, Dieu m'avait délivré de ce péché. Là, moi-même, j'aimais manger quand j'étais encore nouvelle convertie. Alléluia. Amen. Et comme Dieu m'introduisait dans un ministère où il ne fallait pas aimer la nourriture, Dieu m'a discipliné. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas facile. Amen. 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 Ce n'était pas facile. Je jeûnais pas. Après, je dis Amen, seul. Je jeûne. Amen. Amen. Quelle part, j'avais dit d'abord. Je jeûne. Je prends mon biscuit. Amen. Amen. Mais après, le Seigneur m'a discipliné. Je suis arrivé à un moment où je ne jeûnais plus avec le biscuit. Oui. Alléluia. Amen. Vous pouvez jeûner un mois. Vous pouvez jeûner un mois. Vous pouvez jeûner deux mois. Vous pouvez même jeûner toute l'année. Quand vous ouvrez la ruche. Alléluia. Amen. Enfermé. En sortant, enfermé. Alléluia. Amen. Et on pouvait respecter. C'était les jonctions du Seigneur. Quand vous voyez la paix dans la nation, il y a des personnes qui ont payé le prix. Amen. J'étais comme ça, on était devenus comme ça, il était pasteur comme ça. Pour ceux qui étaient au rallye, la maman que vous avez vu, le pasteur Philomène hier. Comme ça. Là où c'est pas là où elle est maintenant, grosse comme ça. On était comme ça. Alléluia. Vous remportez les victoires. Pour porter les fardeaux du Seigneur. Tu dois également te discipliner dans le manger. L'homme ne vivra pas de pain, seulement, mais aussi de toute parole. La suite. Amen. 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 Matthieu 4:4. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Alors, pendant que tu te prives de manger, là, tu es en train. Tu demeures dans la présence du Seigneur. Yes. Tu manges la parole. Amen. Tu manges la parole. Amen. Toute l'église devait dire Amen. Amen. Vous savez parce qu'on avait mangé la parole. Tu médites la parole. Tu médites la parole. Tu t'emmagasines de la parole. Alléluia. Amen. Au point où si on te demande, lève-toi, cite-nous 10 versets, 10 références. Alléluia. Amen. Les jeunes n'ont plus encore la mémoire fraîche. Tu nous récites 10 versets là, avec les références. Amen. Alléluia! Amen. Si on fait cet exercice-là, je ne sais pas. Jamais tu te lâches. Les cinq versets que tu devais me réciter là, le jeudi, là, tu n'as pas. Je n'ai pas encore oublié. Alléluia! Oui, tu dois connaître ta parole. Cinq versets, tu commences, tu lis à ton papa et tu lis-moi déjà deux versets. Alléluia! Amen. Mange-moi déjà deux versets. Après, je vais te les réciter. Après deux, trois, quatre. 5, 6, 10. Alléluia. Amen. Eux, ils récitaient déjà 10 versets. 10. Avec référence. Amen. Amen. C'est pas seulement venir aimer jouer les batteries, les instruments là. Il faut avoir la
dans cette vie. Amen. Alléluia. Amen. On voit la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on mange la parole de Dieu, bien aimé, la parole de Dieu nous fortifie. Amen. Elle nous rend fort. Lorsqu'il y a des situations, tu ne paniques pas. Le Saint-Esprit te rappelle seulement une parole, un verset. Et tu t'appuies sur ce verset, cette parole. Et tu commences à bombarder. C'est comme ça que nous, on nous a formés. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur nous a formés. Jésus se privait de nourriture. Même lorsqu'il avait faim. Moi, je dis souvent même à mes enfants. Là où je suis maman vieille, il y a déjà là. Même si mon mari n'est pas dans ça. Alléluia. Moi, je jeûne. Je jeûne. Et quand je sens l'estomac tourner dans la journée, estomac, tu obéis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voyez que quand je jeûne là, quand je jeûne là, vous voyez que je n'ai pas faim. Mais je supporte. Parce que je m'impose une discipline. Oui. Même juste dans ma vieillesse. Alléluia. Amen. Bien aimé, la discipline, c'est s'imposer certaines choses dans sa vie. Dans sa vie spirituelle. Tu t'imposes une manière de vivre. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul pourrait dire, je traite durement mon corps, je me tiens assujetti. Il traitait durement son corps. L'apôtre Paul exerçait une certaine discipline. Alléluia. Amen. Il traitait durement son corps. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il voulait faire, mais qu'il ne faisait pas. À cause du Seigneur. À cause de la mission. À cause du fardeau de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Si nous voulons accomplir l'œuvre du Père, l'œuvre du Seigneur Jésus, nous devons nous abstenir de manger lorsque le Seigneur nous le demande. Alléluia. Amen. Jésus lui-même s'est discipliné également là-dessus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, se discipliner, c'est faire ce que je dois faire et non ce que j'ai envie de faire. Amen. Se discipliner, c'est faire ce que je dois faire et non ce que j'ai envie de faire. Même quand ton corps, les dimanches, ne veut pas venir à l'église. Alléluia. Mais tu imposes ton corps. Que toi, tu dois aller à l'église. Même quand ton corps ne veut pas venir les vendredis à la prière. Tu imposes à ton corps. Alléluia. Amen. 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 Tu dois venir honorer le Seigneur. Tu dois respecter à l'engagement du Seigneur. Parce que si tout le monde, si tous les membres se disent, ah non, ah, aujourd'hui, je suis fatigué. Ah, aujourd'hui, je ne viens pas. On se retrouvera avec lui. Personne. Personne. Le vendredi. Personne également le dimanche. Donc, bien aimé, se discipliner, c'est faire ce que je dois faire. Et non ce que je veux faire. Et non ce que j'ai envie de faire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le Seigneur nous appelle à nous discipliner, à développer la discipline dans nos vies si nous voulons atteindre l'excellence. Parce que si nous ne nous disciplinons pas, bien-aimés, nous allons toujours vivre des échecs. Des échecs. En fin d'année, bilan nul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fin d'année, bilan nul. Parce que nous n'aurons pas adopter la discipline dans nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quels que soient les domaines. Il y a même un domaine là que le Saint-Esprit me rappelait même. Les dîmes. Il y en a qui payent dîmes aujourd'hui. Mois prochain, on ne paye pas la dîme. Vous me reconnaissez. Le Saint-Esprit m'a rappelé ça pendant que je travaillais et je préparais ce message. C'est de l'indiscipline et tu ne peux pas être béni. Alléluia. Amen. Quand vous ne dites plus Amen. Amen. Il faut changer. Alléluia. Il faut changer. Moi, je ne joue pas avec ça. Depuis mon jeune âge. Depuis mon jeune âge, c'est pour ça que nous sommes bénis. Depuis notre jeune âge, dans la foi, on ne joue pas avec la dîme. On n'a jamais joué avec la dîme.
C'est pour ça que Dieu nous bénit. Alléluia. Amen. Dieu nous bénit. Dieu ne fait pas de favoritisme. Indiscipliné dans le fait de donner la dîme. Et l'œuvre de Dieu va avancer comment? L'œuvre de Dieu va avancer comment? Il y en a même qui sont indisciplinés, même dans les enseignements qu'on donne ici. On donne des enseignements, et quand certains veulent appliquer, oh, qu'est-ce que tu veux faire? Tu fais ça. Oh, mais c'est rien ça. Oh non, Dieu va toujours t'exaucer, nous sommes au temps de la grâce. Non. Il faut changer. Il faut changer. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas aller affecter les gens. Si toi tu es indiscipliné, n'affecte pas l'autre. Si tu es indiscipliné, garde ton indiscipline, que tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas aux enseignements, mais n'affecte pas les autres. Amen. 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 On vient de l'autre. Alléluia. Amen. N'affectez pas les autres. C'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner ce matin. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur voulait nous enseigner ce matin. La discipline. Et toi-même, regarde maintenant les domaines. Indiscipline dans la Bible. Indiscipline, quelles que soient les raisons. La Bible dit de mettre le Seigneur à l'épreuve. La Bible dit de mettre le Seigneur à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les épreuves des cieux. Maintenant, quand on était ignorant dans un domaine, dans le domaine, mais et qu'on a été enseigné, on se corrige. Alléluia. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Quels sont les domaines où tu dois te discipliner? Quels sont les domaines où tu dois te discipliner? Est-ce le domaine de la langue? Qui parle beaucoup pour pécher et pour faire pécher les autres. Est-ce le domaine de la prière? Est-ce toi-même tu connais? Alléluia. Amen. Ferme les yeux, commence à prier. C'est toi ce matin, je vais te prier, Seigneur, afin que tu me disciplines. Je suis un peu plus de temps.
Nous vivons selon notre propre manière. Seigneur, nous t'écoutons peu. Nous observons peu ta parole. Nous la pratiquons peu, Seigneur. Ainsi est notre état en vérité, ô Dieu. Nous venons te demander pardon, Seigneur. Nous nous humilions, Seigneur, devant ta face, afin de te demander pardon pour notre ignorance. Pour notre ignorance d'indiscipline, Seigneur. Parce que sans la discipline, nous ne pouvons pas faire des progrès. Nous ne pouvons pas avancer si nous ne nous disciplinons pas, ô Dieu. Dans nos temps de méditation, dans nos temps de compréhension, dans ce que tu veux nous faire comprendre et savoir, dans nos temps d'échange avec toi, nos temps de prière avec toi, Seigneur. Nous avons longtemps marché, Seigneur, selon notre propre façon. Mais nous venons ce matin nous abandonner entièrement à toi. Amen. Nous venons nous abandonner entièrement à toi. Nous voulons un toucher particulier ce matin. Amen. Tu n'as pas écouté aux pressions de tes disciples. Tu es riche en compassion et de bonté. Lorsqu'ils t'ont dit qu'il y avait des malades devant la porte, tu as été discipliné. Tu as été dans l'orientation du Père céleste, dans la sensibilité de l'Esprit, pour aller dans une autre direction, prêcher et donner ce qu'il fallait. Car là-bas, il t'attendait aussi avec un grand besoin. Nous voulons faire de même, ô Dieu. Nous ne voulons pas emprunter d'autre chemin qui n'est pas le tien. Nous voulons marcher derrière toi. Nous voulons marcher derrière tes pas. Nous voulons être concentrés. Les temps sont courts. Les temps sont courts. Nous voulons les saisir maintenant pour avoir un sens à notre marche, pour avoir un sens à notre discipline. Oh Seigneur, que cette discipline tombe de ton trône. Tu as été organisé depuis la création du monde. En Genèse 1 jusqu'au bout, tu as été discipliné chaque jour. Tu as fait chaque chose selon son temps. Tu pouvais le faire par ta puissance tout créé en un seul jour. Mais tu t'es décidé de le faire étape par étape. Oh Dieu, nous voulons être patients. Nous voulons attendre. Nous voulons être là où tu veux que nous soyons. Samuel était à sa place quand il t'a entendu. Il ne s'est pas préoccupé de l'extérieur. Il était assis à côté de ton temple, à côté de ta présence, à côté de ta flamme. Il était touché et il attendait quelque chose. Il veillait là jour et nuit. Nous voulons être aussi de même. Nous ne voulons pas nous préoccuper des choses extérieures, mais nous voulons être concentrés dans le temple. Seigneur, nous voulons être concentrés dans le temple. Ainsi nous sommes ton corps, tu es la tête. Le sang qui circule de la tête aux pieds communique. Le sang qui circule de la tête aux pieds impacte. Oh Dieu, nous voulons être touchés profondément par ton esprit. Parce que nous ne voulons plus être les mêmes. Nous ne voulons plus être les mêmes. Nous ne voulons plus être les mêmes, Seigneur. Que ta discipline vienne écraser nos paresses. Que ta discipline vienne nous orienter dans ta voie. Que ta discipline oriente nos pensées, oriente nos langages. Dans le nom de Jésus, impacte nos actions, impacte notre marche pour la gloire de ton nom. Parce que nous ne sommes que tes intendants. Nous ne sommes que tes intendants. Nous ne voulons pas arriver à la fin et te dire nous n'avons rien pu faire. Nous refusons cela par manque de discipline. Nous refusons cela par manque de discipline. La discipline qui est au cœur de toutes choses. Au cœur de toutes choses. Nous voulons avoir des temps de discipline avec toi. Nous imposer cette discipline, même dans notre alimentation, même dans notre langage, dans notre façon de penser, discipliner notre entourage, savoir où nous partons, savoir ce que nous faisons, avoir la gestion, Seigneur, de nos programmes détaillés pour la gloire de ton nom et pas pour la gloire d'un homme, pas pour la gloire d'un peuple, parce que c'est toi qui nous appelles à faire ta volonté. Ce n'est pas nous qui te cherchons pour notre volonté,
poussière que tu as pu travailler à ton image. Amen. La boue que tu as pu travailler à ton image. L'argile ne peut dire au potier, donne-moi cette forme. Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos cœurs. Aie pitié de nos cœurs et de nos vues. Aie pitié. Et nous tournons en rond et nous t'accusons sans cesse. Oh Dieu, viens toucher maintenant ton église. Viens toucher maintenant ton église. Nous voulons rattraper cela. Nous voulons être conscients de cela. Seigneur, l'ignorance tue ton peuple. L'ignorance détruit ton peuple. Nous ne voulons plus être les mêmes. Nous ne voulons plus aller dans les profondeurs et nous arrêter au niveau des genoux et sentir une satisfaction quand nous voulons être submergés par ton esprit. Nous voulons être submergés par ton esprit. Nous voulons aller dans les eaux profondes afin de faire ressortir ce qui dépend de toi. Nous ne voulons plus être les mêmes. Change-nous, oh Dieu. Transforme-nous, oh Dieu. On ne peut mettre du vin nouveau dans de vieilles soupes. Change nos pensées obsolètes. Notre manière de faire religieuse. Nous voulons aller dans le vin nouveau. Nous voulons ce vin nouveau. Nous voulons cette pensée nouvelle. Nous voulons ce péché nouveau. Oh Dieu, cette discipline qui s'accorde. Cette discipline qui s'impose. Cette discipline qui s'impose. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin. Que cela porte du fruit dès maintenant jusqu'à ce que nous te rencontrons dans le nom de Jésus. Comme tu l'as dit dans l'Apocalypse, tu scelles d'un sceau précieux. Tu le scelles maintenant dans nos vies, sur nos fronts. Seigneur, réveille-nous. Tu dis réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Oh Dieu, nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La discipline dans les moindres détails de nos vies. Nous ne voulons plus avancer par sentiment en pensant ce que les autres penseront de nous. Car toi, tu ne l'as pas fait. Tu as fini ton ministère avec excellence sur la terre. Alors nous voulons aussi être ainsi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le destructeur, le dévoreur, quelles que soient ses manigances, ne pourra pas empêcher ou enlever cela, ne pourra pas diminuer cela en nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, pour ce message. Seigneur, nous te disons merci encore pour ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous éduque, ta parole qui nous montre la voie à suivre, qui est une lumière sur notre sentier. Alors nous voulons avoir continuellement les regards fixés sur toi, notre Père et notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Se déplacera. C'est le monde. Se déplacera dans mon esprit, dit le Seigneur. L'honneur de la gloire, de la puissance et la louange te reviennent, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur, qui ont été encore libérées, Seigneur, ce jour. Oh Dieu, merci de nous donner la force de les garder, de demeurer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.